Bonsoir à tous, alors bienvenue hein, sur notre premier plateau de notre troisième saison. Donc aujourd'hui c'est notre premier jour, c'est notre rentrée on va dire. Donc et oui, vous avez dû me supporter pendant toutes les vacances. On a essayé de parcourir un petit peu toute l'économie guadeloupéenne, de voir, de vous aider surtout pour la crise, puisqu'on a essayé de faire vraiment le maximum au niveau du suivi. On a eu un petit, on va dire, relâchement au mois d'août, puisqu'il fallait bien sûr, hein, on vous avait déjà donné tous les outils pour pouvoir faire ce que vous aviez à faire. Et du coup, on a essayé de passer un petit peu le cap en parlant des évolutions qu'ont fait nos entrepreneurs guadeloupéens qui ont profité de la crise pour rebondir, et vous avez eu l'occasion de les connaître pendant le mois d'août, donc ça nous a fait un petit relâchement. Aujourd'hui, on a un plateau, bien sûr, on revient sur cette histoire de crise, parce qu'il va falloir qu'on détermine un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour vous. Vous allez pouvoir tout à l'heure, en fin d'émission, après l'intervention de nos super intervenants, hein, comme j'aime bien les appeler, vous allez pouvoir appeler pour poser vraiment quelques questions et pour savoir ce que vous pouvez faire pour améliorer vos sociétés. Bien évidemment, on vous avait déjà prévenu. Aujourd'hui, on reprend avec nos proms. Alors, vous connaissez déjà le concept. On va vous présenter un Guadeloupéen. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Reynald Gene. Donc, son profil va s'afficher et il fait de la culture de canne à sucre. Donc, nous avons décidé de vous présenter ce monsieur parce qu'il a travaillé pendant tout le confinement. Comme vous le savez, nos agriculteurs, eux, ils ont eu des dérogations pour pouvoir continuer à travailler. Et au niveau du secteur de la canne à sucre, il ne pouvait pas arrêter puisque c'était la récolte en Guadeloupe et c'était vraiment l'occasion où ils pouvaient travailler, puisqu'ils sont vraiment en individuel, chacun qui travaille sur leur outil, vraiment qui sont leur outil personnel, professionnel, et ils en ont profité pour pouvoir finir cette fameuse récolte de canne à sucre. Donc comme vous le savez, les agriculteurs qui travaillent dans le domaine de la canne à sucre vendent leur canne au début à l'usine Gardel. Donc là, pendant toute la récolte, ils ont vendu pour que l'on puisse fabriquer notre sucre, puisque vous savez que nous exportons énormément de tonnes de sucre et ça fait vivre nos agriculteurs guadeloupéens. Et ensuite, ils ont commencé, bien sûr, pour livrer avec à tout ce qui concerne le rhum et maintenant aussi pour tout ce qui concerne l'énergie, parce qu'on commence aussi à fabriquer de l'énergie, notre propre énergie, en fonction des entreprises, avec du reste de la canne à sucre. Donc ça, c'était le travail de monsieur Reynald Gene, qui est dans la culture de la canne et qui est du côté de Mornalo. Vous aurez plus d'informations parce qu'on a fait un podcast. Vous allez retrouver le podcast sur notre nouvelle chaîne Entreprems sur YouTube. Donc nous avons une interview avec vous, avec lui, puisque nous avons passé une journée en immersion. Donc comme ça, vous pourrez vraiment découvrir les métiers de la canne et savoir comment se passe ce secteur d'activité. Nous allons vous présenter notre plateau avec deux intervenants que vous connaissez déjà. Nous avons avec nous monsieur Willy Martin. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Bonsoir téléspectateurs de Canal 10. Voilà. Merci de nous inviter à nouveau sur ce plateau. Exactement. Donc de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, vous allez nous faire un point de situation tout à l'heure et vous allez nous parler des nouveaux dispositifs qui sont mis en place. On va voir déjà si ça fonctionne et comment ont fonctionné déjà les anciens. Et avec vous, pour vous accompagner, nous avons un élu de la Chambre du commerce et de l'industrie, monsieur David Arnoux. Bonsoir. Bonsoir Sabine. Et pareil, merci de nous recevoir sur Canal 10 pour tenir au courant nos citoyens et nos entrepreneurs pour qui c'est très difficile actuellement. Ben, expliquez-nous ça justement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des difficultés? Ben écoutez, si on doit rentrer, voilà. Allons-y, on rentre maintenant dans le vif du mot, on y va gaiement. Si vous voulez, on pensait avoir un petit relent du commerce et en étant optimiste, on pensait que pendant l'été, la crise sanitaire aurait un peu cessé et qu'on allait avoir des touristes qui seraient venus en Guadeloupe. Mm-hmm. Quand on connaît l'importance du tourisme pour la Guadeloupe, on s'est rendu compte qu'au contraire, avec la prise de décision tardive du gouvernement métropole et puis les balbutiements, on n'autorise pas. La Guadeloupe n'a pas été traitée, si vous voulez, de la même manière que la Corse ou que certains départements de la métropole. Ce qui a bien sûr entraîné une perte énorme, parce que si vous êtes en métropole, que vous devez déposer, vous appartenez à un groupe ou même à des entreprises bien structurées, vous devez déposer vos congés,
au moins un mois et demi en avance, chose que les gens n'ont pas pu faire. Donc tous ces gens qui avaient décidé depuis fort longtemps de venir en Guadeloupe ont donc dans un premier temps vu les Antilles classées d'abord comme bon élève, parce que nous étions pendant longtemps dans une zone verte, mais ils ont été tout de suite déconcertés en apprenant que la Guadeloupe, on n'allait pas pouvoir s'y rendre, que s'ils venaient en Guadeloupe même pour 10 jours, ils devaient rester 14 jours en confinement dans un hôtel sans bouger. Et puis après des mesures très difficiles qui ont fait que, on va dire, plus de 80% des gens qui devaient se rendre en Guadeloupe ont annulé. Et ça a été des pertes sèches, mais pas que pour les très gros. Vous savez que le tissu économique touristique a énormément évolué aux Antilles. Oui, on dépend beaucoup, oui, les petites entreprises. Ben, ça sera confirmé par mon confrère qui est là. Et aujourd'hui, vous avez énormément de gîtes en Guadeloupe. Les gîtes en Guadeloupe représentent, si je ne m'abuse, plus de 7000. Il y a plus de 7000 gîteurs en Guadeloupe, donc qui reçoivent des touristes. Et cette population, entre guillemets, c'est un tissu économique énorme qui fait vivre les petits artisans, qui fait vivre les petits commerçants, les gros aussi. Et bien, ces gens se sont trouvés privés et ont eu des annulations. Quand vous savez que l'été représente 30 à 40% de vos chiffres annuels, je vous laisse tirer les conclusions. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelques mots peut-être sur ça par rapport à ce que vous avez pu constater ? Alors, c'est vrai que nous, le constat que nous faisons au niveau de la chambre de métier et singulièrement au niveau du réseau des chambres de métier, puisque je vous rappelle que nous sommes dans un réseau, et bien évidemment, les remontées se font au niveau de chaque secrétaire général. Et ma foi, pour la Guadeloupe, encore aujourd'hui, nous recevons des chefs d'entreprise, donc des dirigeants d'entreprises individuelles, notamment, de sociétés, de petites sociétés, puisque M. Arnoux le rappelait à l'instant, le tissu économique guadeloupéen, et en tout cas pour notre part au niveau de l'artisanat, c'est quasiment 67% d'entreprises unipersonnelles. Donc cela veut dire que ces entreprises, en termes de relance, puisque là on a parlé effectivement de la période Covid et notamment de la période spécifique du confinement. C'est vrai que depuis le déconfinement, entre guillemets, effectivement, de notre société guadeloupéenne, nous n'avons pas vu de relance à proprement parler. Économique comme ce qu'on nous avait promis. Voilà. Et effectivement, les artisans reviennent vers leur chambre consulaire en faisant état de difficultés qui aujourd'hui deviennent quasiment, on va dire, insurmontable, oui, tout à fait, et ils ne voient pas venir de solutions, en tout cas à court terme. D'accord, alors je tiens à préciser pour vous, Monsieur Martin, que vous êtes chargé de développement économique, hein, puisque tout à l'heure j'ai dit que vous étiez vraiment de la chambre des métiers et de l'artisanat, mais vous savez vraiment au niveau de l'économie ce qui se passe. Donc, quel est pour vous, par rapport aux artisans, quel est pour vous le retour au niveau des difficultés ? On a déjà vu qu'au niveau des tourismes, ils n'avaient pas de touristes. Les Guadeloupéens eux-mêmes, je suppose qu'ils n'ont pas osé peut-être dépenser aussi et sortir autant, peut-être par la peur, peut-être par l'économie, l'épargne. On sait que les Français en général ont beaucoup moins dépensé, ce qui est quand même normal en temps de crise, puisqu'on ne sait pas trop où on va aller, sachant qu'eux-mêmes ont été payés en chômage partiel. Donc des fois, tout le monde n'a pas eu la totalité de leur paye. Donc par rapport à cette histoire, tout à l'heure, de toute façon, on va venir au chômage partiel, mais qu'est-ce que vous constatez comme difficulté ? Est-ce que ce sont vraiment des difficultés en termes de chiffres ? Ou est-ce que ce sont des difficultés administratives ? Parce que l'État a mis soi-disant beaucoup de dispositifs en place pour avoir accès à des aides. Est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ces aides, ces fameuses aides-là ? Alors, en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a l'effet conjugué de plusieurs, plusieurs facteurs. Voilà. C'est-à-dire que, d'une part, nos chefs d'entreprise donc, reviennent vers nous, souvent parce qu'ils n'ont pas pu, pendant cette période de confinement, mobiliser des dispositifs pour une simple et bonne raison, bien souvent, c'est que c'était des dispositifs qui étaient sur des plateformes, des supports dématérialisés. Et on le sait bien, le chef d'entreprise, et notamment singulièrement l'entreprise artisanale, a éprouvé quelques difficultés à mobiliser ces dispositifs dans un temps, je dirais, court, c'est-à-dire par rapport à la mise en œuvre des dispositifs. Et encore au mois d'août, nous avons dû faire accompagner en tout cas des chefs d'entreprise pour mobiliser le fonds de solidarité.
qui était pourtant proposé depuis le début de la crise. Qui était proposé depuis mars, en tout cas, depuis avril, en tout cas, puisqu'il y a eu un petit retard à l'allumage. Un petit battement, exactement. Mais voilà, la réalité, elle est là, c'est qu'il y a des chefs d'entreprise, en tout cas, une part non négligeable parmi eux, qui n'ont pu mobiliser ces dispositifs que dans un décalage de 2 à 3 mois. Donc, je vous laisse imaginer la souffrance de certains qui, justement, donc, sans rester de leur côté, sans possibilité, par ailleurs, de voir, et c'est là le deuxième effet, une possibilité de faire évoluer leur chiffre d'affaires. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième effet, c'est que le chiffre d'affaires est encore à un niveau très bas. Mmh. Et je le disais en préambule avant que nous soyons à l'antenne, je ne parle même pas de faire une référence à l'année 2019, qui semblait être une année, en tout cas, une bonne année. Hein, voilà. Mais ne serait-ce qu'au regard de l'année 2018, ces chefs d'entreprise n'arrivent pas à retrouver un niveau d'activité qui est proche de celui de 2018. D'accord. Comment vous, au niveau de la CCI, comment est-ce que vous avez vécu ça? Parce que je suppose que vous avez eu les mêmes problèmes. Et quelles sont les solutions que vous avez apportées? Alors, vous savez, nous, on n'apporte pas de solution à la CCI, oui. Ni la Chambre de l'artisanat. Mm-hmm. On est, encore une fois, comme il le dit, on est vraiment là pour aider le ressortissant, que ça soit un artisan, que ça soit un commerçant qui a une PME de 10 à 30 personnes ou un peu plus. Vous savez, en Guadeloupe, il faut bien que les gens s'en rendent compte de ça. Plus de 70% des entreprises sont des très petites entreprises. Oui, oui, ça, oui. Qui dit petite entreprise dit que vous jouez le pompier tout le temps. Mm-hmm. Ça veut dire que vous êtes censé faire l'administratif, vous êtes censé faire le commercial, vous êtes censé être même dans la production, quand c'est de la production, quand vous êtes artisan. Cela implique quoi? Cela veut dire que vous prenez du retard sur la chose qui n'est pas matérielle. La chose qui n'est pas matérielle, ce sont les papiers. Ça veut dire votre bilan, certains documents administratifs qui ne vont pas être tenus à jour. Et la première sanction que vous avez, quand on vous demande, vous faites appel à n'importe quelle aide, même la simple aide de 1 500 € qu'on vous a proposée, vous avez peur parce qu'au départ, on vous disait qu'il fallait avoir votre fameuse attestation fiscale et sociale. Oui. Vous pensez bien que les gens qui n'ont pas fait de déclaration, pas parce qu'ils ne voulaient pas le faire, parce que souvent, on est dans le feu et qu'on ne sait pas le faire pour beaucoup. Ben, ces gens-là, ils n'ont même pas pris le temps d'aller sur une plateforme parce que quelquefois, ils n'ont pas d'ordinateur aussi, des fois. Hein, et ça nous a permis de nous rendre compte de ces vrais problèmes pendant la crise. Ben, ces gens n'ont pas fait donc appel à cette aide et encore moins au PGE parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas être en mesure de fournir un journal de trésorerie, un bilan et tout ce qu'on vous demandait. Donc, on s'est retrouvé avec certaines aides qui ont eu au moins le mérite d'être mises en place assez rapidement, mais beaucoup dans le tissu économique antillais, guadeloupéen, se sont vus confrontés à ne rien recevoir. Je dis bien ne rien recevoir parce que une grosse partie des artisans, vous êtes là pour le confirmer, les taximans, beaucoup de gens, des gens qui ont été touchés. C'est-à-dire, là, ça s'est arrêté vraiment du jour au lendemain pour eux. Du jour au lendemain, ça a été brutal. Il n'y a pas de mise en cause, vous ne pouvez pas vous préparer pour ça. Il n'y a pas d'histoire d'épargne, quoi que ce soit. Il y en a même certains qui m'ont dit qu'ils venaient de prendre une nouvelle voiture. Ouais. Ils avaient fait l'acquisition de la voiture la veille pour certains. Mm-hmm. Et ils se sont retrouvés bloqués du jour au lendemain. Je peux vous garantir que quand vous avez une famille à nourrir, ce qui est souvent le cas, et que du jour au lendemain, parce qu'on sait aussi que le problème majeur aux Antilles, c'est la trésorerie. Pourquoi les sociétés, je suis au tribunal de commerce, donc je sais de quoi je parle, pourquoi les sociétés ne passent pas le cap de certaines années? Parce que quelquefois, elles sont viables, mais elles ont un problème de trésorerie qui font qu'elles vont créer des dettes et au lieu de payer les charges sociales, elles vont laisser s'accumuler et après, avec le peu de taux de rendement que nous avons, si vous voulez, font que ils se plantent et ils doivent déposer. Et si ces gens-là avaient une trésorerie suffisante, on aurait pu passer le cap. Alors, quand vous n'avez pas de trésorerie, que vous vivez un peu au jour le jour avec la recette du jour, imaginez quand du jour au lendemain, vous n'avez plus de recette. Et en plus, c'est arrivé, si vous vous rappelez, pas à la fin de la saison, mais en pleine saison. Oui. Donc, c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas obligatoirement les outils. En tout cas, la CCI, on est vraiment là pour accompagner, comme la Chambre des métiers. On a mis à disposition, comme vous le savez, une cellule pour le PGE. Oui, pour aider, exactement. Même pour retransmettre pour le pré-rebond. C'est-à-dire, quand vous ne trouvez pas une solution avec le PGE, on essaye de vous rediriger.
Mais je vous garantis, on a beaucoup d'appels aujourd'hui pour le chômage partiel aussi. Ouais, on va en parler, je pense. On va en parler, oui. Parce que beaucoup, grand nombre d'entreprises, bien avant le 31 août, se sont vues refuser le chômage partiel. Et quand on sait que vous êtes un restaurateur ou que vous êtes un gîte ou quoi que ce soit, qu'on vous rejette votre demande de chômage partiel, c'est assez compliqué de leur expliquer pourquoi. Et au début, on vous demandait aucun document pour pouvoir le faire. Et d'un seul coup, là, pareil, on vous demande 50 documents pour avoir cette acceptation. Il faut trouver des solutions parce qu'il ne faut pas imaginer qu'on va sortir de cette crise aussi facilement. Mm-hmm. Je pense qu'en plus, on va être en plein dedans pendant 3 mois. Et il faudra être très, 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 très vigilant aujourd'hui. Je rappelle qu'en métropole, excusez-moi, Tamine. Allez-y. En métropole, à partir du 31 août, ils n'ont plus de soucis avec leurs employés dans le tourisme. Il y a ce qu'on appelle la saisonnalité, mm-hmm. Il y a des saisons. En Guadeloupe, on n'a pas droit à ça. Et je trouve que c'est un peu facile aujourd'hui de ne pas nous mettre un système et de nous donner des réponses pour nous permettre, nous les entrepreneurs, d'assurer le paiement des salaires de nos employés. C'est la priorité d'un patron. On l'oublie, on ne le dit pas assez souvent. La priorité d'un patron au départ, c'est d'être sûr de pouvoir à la fin du mois payer ses employés. D'accord ? Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Voilà. Alors le chômage partiel, puisqu'on va parler de ça, puisque c'est la fin du chômage partiel, comme je disais tout à l'heure, ça a été acté le 31 août. Donc là, l'idée, c'est de savoir quels dispositifs sont mis en place. Est-ce que tout le monde a déjà pu toucher son chômage partiel? Pour un petit rappel, c'était l'activité partielle qui était un outil du service public qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir faire la prévention des licenciements économiques et pour permettre à l'employeur en difficulté de prendre en charge tout ou une partie du coût de la rémunération de ses salariés. Donc le but, c'était vraiment de prévoir qu'il n'y ait pas de licenciement et de faire en sorte que les sociétés, les entreprises puissent payer tout le monde. Et eux, ils étaient censés avancer en tant que chef d'entreprise le salaire pour les employés qui mettaient en chômage partiel et ils étaient censés être remboursés. Alors on nous a dit, hein, vous vous souvenez sans doute, on a eu l'occasion d'avoir le ministère de l'économie, je crois, le service de Bruno Le Maire. D'ailleurs, on a eu le directeur même de ces services-là qui dirigeait toutes les entreprises, qui nous a bien confirmé que oui, normalement, une fois que le chômage partiel était activé, le remboursement se faisait sous quatorzaine. Bon, ça s'est pas trop passé comme ça. Comme on disait tout à l'heure, ça a été long à la détente. Mais plusieurs mois après, quel est, vous, le point que vous pouvez constater? Est-ce que le chômage partiel a été respecté pour les entreprises en Guadeloupe? Tout à l'heure, on a vu que non. Comment ça s'est passé? Puisqu'on leur a dit, nous, plusieurs fois ici en antenne, on a bien dit aux gens, faites votre demande. Une fois que tout est fait, si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire que c'est systématiquement accepté. Ce qui a été confirmé par le gouvernement qu'on a eu en direct au téléphone ici. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur cette situation et nous dire ce qu'il en est aujourd'hui? Peut-être, oui. Alors, en ce qui concerne la chambre de métier, c'est vrai que nous n'avons pas de retour statistique sur ces dispositifs. Ce que vous le rappelez de manière très, très précise, c'est que l'État a la main donc, là-dessus, et notamment oui. Les services de la DIECT, donc la direction... de l'entreprise. On les appellera. Voilà. Donc je pense qu'il serait intéressant de revenir vers eux pour avoir ces précisions concernant le potentiel d'entreprise qu'on peut bénéficier donc, de ces mesures liées à l'activité partielle, sachant que l'activité partielle n'est pas une mesure nouvelle. Oui. On est bien d'accord qu'on n'a pas réinventé le couteau, le fil à couper le beurre. Elle existe, cette mesure, depuis 2014 et ce n'est qu'une réadaptation effectivement par rapport à la situation économique que nous vivons. Donc, ceci dit, je reste persuadé, et ça, je peux presque mettre ma main à couper, l'avenir nous le dira très prochainement, la relance n'étant pas au rendez-vous, je ne vois pas comment une entreprise qui a des salariés et pour laquelle l'activité n'a pas redémarré complètement, ne serait-ce que pour payer effectivement le solde qui reste à charge de l'entrepreneur, je ne vois pas trop bien comment il va faire pour s'en sortir si bien évidemment il n'a pas de chiffre d'affaires
Est-ce que vous savez, est-ce que vous savez s'il y a des dérogations ou s'il y a des dispositifs qui vont être mis en place pour aider les sociétés les plus fragiles ou peut-être en fonction des différents domaines d'activité? Non, vous avez là, enfin oui, vous avez eu tout de suite la région avec ce fameux prêt rebond. Oui. Vous vous rappelez, hein, qu'ils de ont ça, mis en place tout de suite, assez rapidement. Il y a eu aussi certains fonds de solidarité qui oui. ont été alloués par la région. Alors, vous savez, on ne peut pas sauver tout le monde. Hein. On ne vit pas dans oui. un monde de bisounours, hein. Malheureusement. Obligatoirement, il y aura des laissés pour compte, avec un sentiment plus ou moins d'amertume pour certains et d'injustice. Surtout qu'on nous dit souvent, les gens nous disent souvent, quand ils nous appellent pour se plaindre, qu'ils payent beaucoup de charges et qu'eux, il y en a beaucoup qui sont à jour de leurs charges. Et ils ont remarqué qu'ils n'ont pas touché la totalité de leur chômage partiel, de ce qu'ils ont dépensé pour payer leurs employés. Alors, en tout cas, vous savez, moi, je pense quand même que ça a plutôt bien fonctionné. D'accord. Ça veut dire que quand on regarde avec la DIEC, effectivement, il y a eu un temps de réaction un peu plus long qu'en métropole ou que dans les autres pays européens. Mm-hmm. Mais ils ont tenu leur engagement quand même. C'est-à-dire les gens qui ont fait les demandes en Guadeloupe, dans un premier temps, on va dire 90% des gens ont fait la demande, ont eu leur chômage partiel. D'accord. Ça, c'est un ça, point. C'est un ça veut dire point. Les 84%. Comme il est annoncé, parce qu'il faut savoir que le chômage partiel, c'était 84%, oui. et à la guise de l'employeur de compléter les 16% oui. restants ou pas. Et bien sûr, en dessous du SMIC, 100%. Hein, donc, comme beaucoup de gens touchent aussi le SMIC en Guadeloupe, mm-hmm. beaucoup de gens n'ont même pas vu, si vous voulez, la différence entre chômage partiel ou indemnité complète. Beaucoup de gens étaient très proches de leur salaire. Ce qui va devenir plus compliqué, donc c'est une mesure qui a fonctionné en Guadeloupe, elle a tellement fonctionné qu'ils ont traité, vous savez, ils ont eu des problèmes de serveur, je pense que vous avez déjà oui, au courant de ça, on a eu le monsieur de la diète qui nous a expliqué ce en cas. En moins d'une semaine, ils ont traité plus de 2 fois le nombre de demandes qu'ils avaient de manière annuelle. Oui. Donc, on peut comprendre, et même en métropole, ils avaient, si je ne m'abuse, 500 à 600 000 demandes jour pendant un moment, plus que ce qu'ils traitaient dans une année complète. Donc, vous savez, on ne peut pas claquer des doigts et c'est comme tout. Vous savez, on fait des procès d'intention aux gens. Quand il neige à Paris une fois tous les 50 ans et on vous dit, oui, mais pourquoi il n'y a pas des camions ici, et des oui. choses pour tout déneiger. C'est pas possible. Alors ça, je trouve que c'est des mauvais procès d'intention. C'est exceptionnel. On n'a jamais subi une crise comme ça. Mm-hmm. C'est pour ça que même au niveau politique, on peut aimer ou pas aimer, mais c'est compliqué de faire de la politique à J+. Allez, on va dire une semaine, J+15, puisqu'on se rend compte que les évolutions ne sont pas du tout ce qui était attendu. On se rend compte que ce qu'on pensait qu'allait être une solution n'en est pas une, mais au contraire. Donc, c'est compliqué. Ils ont amené des solutions. Par contre, tout le monde ne doit pas être dans le même tronc commun, je pense. Mm-hmm. Et il faudrait un petit peu traiter... Enfin, on va prêcher pour notre paroisse. Je dis qu'il faut traiter les dom-toms à part, parce que nous sommes, encore une fois, même si nous sommes français, département français... Nous sommes entièrement à part parce que nous avons besoin et les problèmes que nous allons rencontrer ne vont pas être les mêmes. On aura plus de difficultés par l'éloignement. Donc, on doit être traité un petit peu à part. Voilà. Bah, sur ce point, c'est vrai que lorsqu'on a eu, parce qu'on a eu pendant le confinement et on a eu après au niveau du déconfinement, un suivi avec la diète oui. et ils ont reconnu... Hein, même oui. si ce sont les services de l'État, mais même nous, ils ont reconnu qu'il y a eu un retard oui. sur l'outre-mer. Donc ça, sur ce point-là, pour une fois, on va dire, ils ont reconnu leur tort de ce côté-là, au niveau du ministère même du Travail. Donc c'est vrai qu'ils ont essayé de faire un point dessus. Mais après, est-ce que vous savez si les retards qu'ils ont pris pour les paiements ont quand même, du coup, été rattrapés? Puisque après, c'était devenu systématique pour que les gens puissent toucher le chômage partiel. Et maintenant que ça s'est arrêté, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Est-ce que vous savez s'il y a un dispositif? On entend parler de France Relance, par exemple. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer ce que c'est. Mais en attendant, pour ce mois-ci, le mois de septembre, ça veut dire que les entreprises sont obligées de faire des prêts, puisqu'on a entendu parler de dérogations, par exemple, pour les gens qui sont dans le tourisme. Est-ce qu'en Guadeloupe, ça marche et est-ce que ça va s'appliquer? Comment ça va fonctionner? Est-ce que vous avez des informations pour le moment sur ça? Ou c'est encore trop tôt, peut-être hein? Ben écoutez, je vais laisser mon confrère répondre et je vais confirmer. Alors, sur le tourisme, effectivement, je pense que M. Arnaud est beaucoup mieux placé que moi sur ce domaine. Oui, parce que pour le tourisme... Mais n'empêche que s'agissant de ce qui va se mettre en place, notamment on parle de France Relance, ma foi, s'agissant de l'artisanat,
Nous avons, nous, au niveau de la Chambre de métiers de région Guadeloupe, été très tôt, je serais presque tenté de dire visionnaire, puisque dès le 10 juin 2020, nous avons proposé un plan de relance, mais vraiment calé sur les besoins de nos entreprises artisanales. Vous l'avez présenté chez moi avec moi. Voilà, donc je pense que c'était mon collègue qui l'a présenté. Oui. Et c'est vrai qu'à la lumière de ce que le gouvernement aujourd'hui nous propose dans son plan de relance présenté hier, hein, enfin, je crois le 3, donc, oui, c'était le début de semaine, il me semble bien que nous avions, en tout cas, hein, en ce qui nous concerne, la bonne vision et mis le doigt sur vraiment ce dont les entreprises avaient besoin, à savoir, ça a été repris d'ailleurs hein, par le président de l'Assemblée générale, l'Assemblée permanente pardon, des chambres de métiers, donc M. Jean Fourny, qui préside donc, l'ensemble des chambres de métiers de France et de Navarre. Mm-hmm. Il a repris donc, dans ses mesures auprès justement du ministre chargé du tourisme et des entreprises, Alain Griset, encore un ancien des chambres de métiers, et il a fermement annoncé qu'il va falloir mettre en place des mesures très fortes, notamment des abandons de charges pour la fin d'année, puisqu'il y a eu des reports. Voilà. Donc ça, nous l'avons proposé très tôt. Oui, Monsieur Gabriel Foy, d'ailleurs, c'est la première chose qu'il a proposé, je pense, effectivement, à l'époque, avant même que la France commence à parler. Tout à fait. Donc voilà, donc, sur ces mesures qui feraient qu'aujourd'hui, l'entrepreneur, ici localement, pourrait passer cette phase oui, pour pouvoir payer ses employés. Pouvoir payer ses employés et notamment supporter ses charges. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, on a parlé du PGE. Mais là aussi, permettez-moi d'ajouter quelques mots là-dessus. Il est vrai que beaucoup d'entreprises n'ont pas pu mobiliser ce PGE. Oui. Certaines se sont vues une fin de non-recevoir, notamment par leur banque, puisque là aussi, vous savez que c'était compliqué. Le gouvernement a demandé des assouplissements en termes de traitement, etc. Mais n'empêche que chaque structure a ses règles, a ses procédures. Et notamment, les banques, on le sait très bien, si vous n'êtes pas bien coté, si effectivement vous n'êtes pas en mesure de fournir des bilans, en tout cas de ce que vous avez produit les années précédentes, il est très difficile de pouvoir obtenir ces prêts garantis par l'État. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des entreprises artisanales qui n'ont plus effectivement d'activité partielle à mettre en œuvre dans le cadre du paiement des salaires. L'activité en berne, donc pas de reprise du chiffre d'affaires. Ils n'ont pas plus en plus beaucoup d'accumulation. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retourne vers des dispositifs, notamment au niveau régional, qui ont été proposés par le président Henri Chalus. Et ce qui fonctionne actuellement assez bien, c'est la mobilisation du fonds d'urgence régional TPE, notamment. D'accord. Ah. Est-ce que vous savez si c'est cumulable, par exemple? C'est une question que je pose comme ça. Si, par exemple, j'ai mobilisé déjà ce fonds une première fois au début de la crise, est-ce qu'aujourd'hui, qui est à la fin du chômage partiel, je peux refaire une demande? Alors déjà, il aurait fallu que la première demande soit déjà traitée. Oui. On parlait tout à l'heure de mesures, certes, qui peuvent répondre à certains besoins. Maintenant, les délais de traitement s'avèrent assez longs. Il faut bien s'imaginer que pour beaucoup d'institutions, et ce sont quand même des dispositifs nouveaux qu'il a fallu mettre en place très rapidement, donc des délais très courts. Vous savez, le Covid, ça a touché tout le monde. Hein. Oui. Les institutions publiques également ont été touchées donc, par la venue de ce virus, et notamment en termes de réactivité. Il faut savoir qu'il y a certaines équipes qui n'ont repris que début juin ou juillet. Donc ça veut dire que toute la machine doit être mise en branle et relancée. Et c'est vrai que ça met un peu de temps et malheureusement... il faudrait déjà que ce soit intéressant qu'il touche déjà la première demande. Mais n'empêche que si la première demande est faite et bien calée sur les besoins du chef d'entreprise, il n'y a pas de raison pour que déjà dans un premier temps, ça puisse lui permettre effectivement de passer ce premier cap post-Covid. Je voulais rajouter pour vous donner 2-3 chiffres quand même. Allez-y. La perte au niveau touristique, ça va être entre 600 et 650 millions pour la Guadeloupe. C'est énorme. On avait fait le calcul avec M. Nicolas Vion pendant justement la période. C'est énorme, c'est quand même 650 millions. 650 millions, imaginez
cet argent, s'il doit retourner dans les foyers guadeloupéens, pouvoir redistribuer, ça veut dire que cet argent, ce manque à gagner, c'est le coiffeur. Oui. C'est le restaurateur. C'est le restaurateur. Le marché du vendredi. Voilà, c'est le marché du vendredi. Si on devait acheter 4 kilos de ça, on ne va pas l'acheter. On va en acheter qu'un seul kilo. Le miel. Si on devait acheter 3. Les œufs. Voilà, vous voyez, voilà, c'est tout. Et ça, on n'en parle pas assez. J'ai l'impression qu'on ne voit pas venir la crise sociale. On parle de crise sanitaire, mais il y a une crise sociale terrible derrière. C'est 18 000 emplois que le tourisme en Guadeloupe. Oui. D'accord, hein, il y a 18 000 emplois menacés. Et c'est vraiment primordial qu'on puisse, que l'État puisse comprendre que le chômage partiel doit être la mise en action du chômage partiel jusqu'en novembre, fin novembre, début décembre, c'est-à-dire pour espérer qu'il y ait une nouvelle saison. Parce que nous, ce qu'on espère, chef d'entreprise, c'est que la saison, elle redémarre. Mm-hmm. On n'a pas besoin d'être aidé par l'État. Moi, j'ai pas envie qu'on retire mes charges. Si on retire mes charges, c'est que je gagne de l'argent. Donc quand on dit allègement des charges, non. Moi, je n'ai pas envie qu'on allège mes charges. Je veux qu'on supprime ce que je devais payer de l'année dernière. Ça, ça va m'aider, par exemple. Est-ce que je vous... Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais quand on vous dit oui, qu'on va vous supprimer les impôts à venir, mais si vous avez fait zéro, vous n'allez pas payer d'impôts. Oui, non. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que... Non, les si gens, je dois... ce qui est demandé pour les charges, excusez-moi de vous reprendre, c'est juste pour préciser, c'est que ce soit pas... Les gens ne demandent pas la suppression des charges pour tout le temps. Mmh. Ils demandent que la suppression des charges pendant la période du Covid. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas payé, par exemple, des charges fixes des mois où il y avait personne, ils ont dit, ce sont ces charges-là, qui restent fixes, qui doivent payer à l'État, et alors qu'ils n'ont pas de chiffres et qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas pu travailler. Donc, je pense que ce sont ces charges-là, ça peut quand même peut-être sauver quelques entreprises qui pourraient peut-être payer leurs employés avec. D'accord. En fait, si cette demande vous faites zéro, vous n'avez pas de charge. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si vous faites zéro, il n'y a pas de charge. Nous sommes bien d'accord. Vous n'avez pas de TVA si votre rideau est fermé. Vous n'avez pas grand-chose à payer. Voilà. C'est ce qu'on a envie, surtout, si vous voulez. C'est qu'on ne nous demande pas de faire un prêt pour payer nos employés. Imaginez-vous demain. Ça, on est d'accord sur ce point. Imaginez-vous demain. Les gens ne veulent pas s'endetter. Voilà. Ça. Si on vous avait demandé aujourd'hui, on nous a mis un PGE en place. Très bien. Certains l'ont eu, très bien. Mais imaginez-vous si on avait dit à la population, vous savez quoi, demain, l'État garantit un prêt à 90%, allez empointer votre salaire. C'est ce qu'on nous a demandé de faire. Oui, mais... En tant qu'employeur, on nous a demandé, voilà, vous savez quoi, allez empointer pour payer les salaires et pour payer votre chiffre d'affaires que vous n'avez pas fait. Donc si on avait mis les employés, entre guillemets, face à ça, mais il y avait une révolution tout de suite... D'où ma question tout à l'heure, puisque beaucoup de gens n'ont pas fait la demande pour le prêt parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller s'endetter, même si on commence à payer l'année prochaine et tout. Donc, ils voulaient se rabattre sur les prêts, sur les dispositifs mis en place par la région. Donc, ça, c'est une question que les gens posent quand même. Est-ce que, pour essayer de m'en sortir, puisque pour eux, c'est quand même un cap à passer, puisque tout le monde espère que pour 2021, on ait vraiment une bonne année et que la saison reprenne vraiment rapidement. Donc là, c'est comment s'endetter le moins possible, le temps que ça reprenne, justement. Mais vous savez que le prêt rebond, c'est un prêt aussi, hein, c'est pas une subvention. Hein. Donc, il y a moins de conditions, mais ça reste un prêt. Dans tous les cas, j'incite les gens à avoir, enfin, s'ils peuvent avoir accès au prêt rebond, au PGE, faire. Ils n'auront jamais ces conditions pour avoir, entre guillemets, des capitaux. Donc, c'est un acte de bonne gestion de faire ce prêt, parce qu'au moins, on ne sait pas où on va aller. Et ça vous permettra au moins de voir venir et de pouvoir assurer au moins vos salaires, puisqu'on ne sait pas si le chômage partiel va continuer au niveau touristique ou pas. Enfin, c'est assez compliqué. Là, on navigue un peu à vue. Donc, je pense que s'ils peuvent avoir, ça ne serait pas très honnête que de dire aux gens de ne pas le faire. Moi, si je dois dire quelque chose, c'est au contraire, profitez, mettez-vous en règle, profitez de ce moment pour vous réinventer, mettez-vous en règle. Et pour pouvoir avoir accès à toutes ces aides, il y aura certainement quelques subventions, tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Le plan de relance va faire du bien à la Guadeloupe aussi. Mais on se doit de faire des prévisions. Et grâce au PGE, je peux vous dire que si demain, les gens qui ont réussi à avoir le PGE, ils dorment
ils sont quand même un petit peu plus tranquilles. Plus tranquille. En oui. plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que vous avez mis en place au niveau de la CCI, vous nous en parliez l'autre jour. Donc vraiment pour accompagner les gens, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la CCI pour ce prêt, hein, pour les gens qui ne l'ont pas encore fait. Est-ce que vous avez eu le temps de lire un petit peu le France Relance pour nous expliquer un petit peu ce qu'il en est? Est-ce que pour nous, dans notre département, c'est adapté à notre situation? Alors, c'est vrai que je me suis penché assez rapidement, hein, je vais être honnête, hein, sur ce plan de relance France, qui est découpé en trois grandes parties. Il y a trois grandes phases, voilà. Ouais. Notamment, il y a une partie qui concerne la compétitivité, il y a une partie qui concerne l'écologie. Baisse d'impôts de production. Voilà. Mais quand on rentre dans le détail de ces différentes mesures, on s'aperçoit bien d'une chose, c'est-à-dire que on ne sait pas qui va profiter finalement cette manne de 100 milliards. Voilà, parce qu'en fait, le plan de relance France, c'est 100 milliards. On en discutait tout à l'heure avec M. Arnoux. Sur ces 100 milliards, grosso modo, on est sur les DOM, en tout cas les départements et régions d'outre-mer, on a à peu près sur 1,5 milliard. Bon, ça veut dire 250, voire 200 millions. 250 millions par DOM. Voilà. Par DOM. Oui. Donc, bon, si avec cette petite enveloppe, parce que là, à ce moment-là, il faut parler de petite enveloppe. Oui, pour le coup. Si avec cette petite enveloppe, on va essayer de réinventer le monde, en tout cas réinventer la Guadeloupe, je pense qu'on n'y sera pas. Sachant que dans le plan de relance, il parle beaucoup en ce moment de relocaliser toutes les entreprises et tout ça. Donc ça, c'est bien joli, mais nous, comment on fait ? Toutes les industries. Toutes les industries, exactement. Ouais. Donc ça, c'est bien joli, mais nous, on n'est pas spécialement concernés par ça, parce qu'on a déjà une économie locale. Voilà, nous sommes déjà localisés. Exactement. Voilà, nous sommes bien d'accord. Donc nécessairement, moi, j'ai repéré hein, quelques petites mesurettes par-ci, par-là, mais qui sont déjà d'ordre, je dirais... statutaire chez nous, comme favoriser effectivement les circuits courts. Oui, ben c'est voilà. Quand donc, on achète sur le marché, on ne peut pas faire plus court bien pour obligés, nous. Voilà. Comme aussi des mesures qui favoriseraient la rénovation énergétique, en tout cas voilà, la rénovation des bâtiments, pardon, la rénovation énergétique des bâtiments, donc ça concerne notamment le secteur du bâtiment. Nous y sommes déjà. C'est-à-dire que nous avons toute une série effectivement de lois qui s'appliquent dans le domaine de la construction des maisons individuelles, dans le domaine de la rénovation des bâtiments. Surtout la région a déjà pris en charge depuis quelques années tout ce qui est électricité solaire. La région, pour les gens tout comme et tout, le conseil départemental, oui, tout comme aussi les bailleurs sociaux qui s'y sont déjà donnés et qui, voilà, la clim notamment. Et donc nous sommes déjà dans ce cycle de rénovation. Donc. Pour moi, il s'agit ni plus ni moins, dans la présentation de ce plan de relance, qu'un plat réchauffé. Voilà. Et sans vraiment de bras armés financiers pour pouvoir alimenter justement ces mesures. Voilà, moi, il a donné un chiffre qui est exact. Pareil, on n'a pas encore pu aller assez profondément dans ce, oui, dans ce plan de relance. Moi non plus, de toute façon. Mais je peux vous dire que sur les 100 milliards... 1,5 milliard pour tous les DOM, ce n'est pas suffisant, surtout quand vous savez que l'eau en Guadeloupe, le problème de l'eau, qui aurait pu être une partie vraiment importante pour nous en Guadeloupe pour relancer économiquement et socialement, ça va régler plein de problèmes. Mm-hmm. Vous imaginez si on traitait le dossier de l'eau, qui est, je pense, notre président de région, président de département, c'est vraiment leur priorité aujourd'hui, oui, quand on voit les efforts qu'ils font pour pouvoir régler ce problème. Mais on sait que c'est proche de 800, voire 1 milliard, que oui, ce problème de l'eau. Donc, quand vous savez que vous avez 250 millions, voire 300 millions pour la Guadeloupe, ça sera compliqué. La rénovation, ça fait partie en métropole, c'est 6,7 milliards qu'ils ont alloués dans le plan de relance pour la rénovation. Mais est-ce que nous allons faire partie de ces 6,7 milliards, ou alors nous allons devoir imputer à nos, on va dire, allez, en étant très, très généreux, 400 millions, est-ce qu'on va devoir prendre aussi dans ces 400 millions pour la rénovation? Vous voyez, mm-hmm, plein de plans. Pareil, l'industrie en Guadeloupe, elle n'est pas énorme. Alors, est-ce qu'on aura cette chance, pareil, de classer l'industrie touristique comme industrie pour bénéficier? Mais encore une fois, le tissu économique de la Guadeloupe, ce n'est pas l'industrie. Donc, tous ces gros avantages vont profiter, bien sûr, et c'est très bien de faire ça pour la France, parce que la France, on paye un trop lourd tribut, c'est-à-dire tout le monde part de la métropole. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le prix
de l'impôt sur la production, il est deux voire trois fois plus important en France que dans les autres pays. Oui, on paye quand même. Voilà, cher. La communauté européenne. Donc oui, c'est important. Oui, ça va aider la métropole. Mais concrètement, nous aujourd'hui, en lisant rapidement, en ayant une lecture, si vous voulez, des différentes mesures, voilà, on n'a pas sauté au plafond. Oui. On attend encore. On va se mobiliser. En tout cas, nous. La CCE Guadeloupe compte vraiment se déplacer pour C'était faire des question. Propositions et essayer d'avoir plus d'avantages et d'autres fonds. Voilà. C'était ma question justement. Est-ce que vous comptez faire remonter ces informations pour dire que ça ne correspond pas? Parce que je sais que la CCI, en plus, Monsieur Vialcolet, maintenant, il est vraiment chargé de s'occuper de tout ça pour faire le trait d'union, on va dire, entre les différents dispositifs qui sont mis en place en France. Et vu que ce sont les CCI qui sont chargés pendant toute la crise du Covid-19 de s'occuper vraiment de toute l'économie des entreprises. Donc ma question, c'était ça. Est-ce que vous comptez faire remonter ces informations pour dire que nous, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui nous concerne au niveau de nos départements? Je peux vous dire qu'ils ont déjà fait une première réunion. D'accord. Avec nos élus et tout, mais mis à part les élus, comme vous dites, on a cette chance maintenant d'avoir M. Vialcolet qui a des nouvelles fonctions et qui va pouvoir faire entendre la voix des DOM et des TOM qui n'étaient pas jusqu'à la représenter. Et je peux vous garantir que... Il connaît très bien son dossier et il fera ce qu'il faut. D'ailleurs, si on a une interview, donc là, on est en train de refaire les demandes. Voilà. Donc, si on a encore le ministère, on va l'appeler. Comme ça, il sera très bien, il sera parfaitement. Voilà, je peux vous dire qu'il va faire ce qu'il faut pour défendre les intérêts des DOM et particulièrement les intérêts de la Guadeloupe parce qu'on ne peut pas rester dans un état comme ça. Aucun chef d'entreprise... normalement constitué, peut accepter un flou artistique comme aujourd'hui. Et ben on se doit... On n'a pas de vision. On n'a pas, c'est ça. Voilà, on n'a aucune on vision. Pas trop, Pour rien vous cacher, j'étais au téléphone la semaine dernière avec les tour opérateurs qui font venir les bateaux en Guadeloupe. Mais les bateaux sont annulés, un derrière l'autre encore. D'accord. Donc certains bateaux font vraiment la demande parce que c'est une priorité la Guadeloupe. Il faut savoir que les gens veulent venir en Guadeloupe. On a des magnifiques prévisions. Des gens voulaient revenir en 2021, mais avec ce qui s'annonce, ben vous avez encore des bateaux qui annulent. Donc, on ne sait pas où on va. On ne sait pas comment la saison 2021 va être. On a eu énormément de réservations au départ. Mais je peux vous garantir, pour être en relation avec l'aéroport, avec tout ça, que c'est très, très, très compliqué. La vision, elle est vraiment pas facile. D'accord. Bon, ben, merci en tout cas de votre intervention. Nous, on finit cette émission. J'espère que ça a pu répondre un petit peu à quelques-unes de vos interrogations. En général, ce sont les mêmes questions qui reviennent, que nous, on voit que ce soit que quand les gens appellent ou demandent. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait après. On va essayer de rappeler le monsieur de la diète pour l'avoir la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, on aura déjà... comme c'est la rentrée aussi scolaire et qu'il y a déjà des problèmes au niveau des écoles, que ce soit en France ou bien ici. Donc on va recevoir le syndicat écolier qui va nous parler un petit peu des dispositifs qui sont faits dans les établissements et on va voir au niveau de la diète pour voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations au sujet de ce fameux chômage partiel et s'il reste encore des entreprises qui n'ont pas été payées, voir quand est-ce que les derniers versements vont arriver. En tout cas, bonne semaine à tous. Bon courage surtout, bonne chance pour nos entrepreneurs. On espère vraiment que vous allez pouvoir passer ce cap et courage, on va dire jusqu'au mois de décembre où on est censé avoir une bonne saison pour 2021. Donc on croise les doigts pour que ce soit vraiment ça. À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Merci d'être venus sur notre plateau. Merci.